Bonjour à tous, ici Raven de la Team TK. Aujourd'hui dans cet épisode nous allons parler de ce qui est très certainement la dragonne la plus connue du monde de Monster Hunter, celle que l'on nomme la Reine de la Terre, la Ratian. Comme son nom l'indique, la Ratian est l'homologue féminin du Rathalos. Elle peut être vue dans différentes régions, mais préférera celle où le climat est doux et tempéré, comme la jungle ou les forêts collines, où elle peut se fondre dans le paysage pour tendre des embuscades grâce à la couleur de ses écailles. Ces dernières peuvent repousser les attaques de la plupart des monstres, lui permettant de chasser facilement ses proies. Ces caractéristiques lui ont valu le nom de Reine de la Terre, mais également de Wyverne de Feu, selon les régions où elle vit, là où le Rathalos est le roi du ciel. De par son titre, la Ratian est donc spécialisée dans la chasse et le combat sur Terre. Elle passera alors la plupart de son temps au sol plutôt que dans les airs. Ses pattes se sont développées pour être plus fortes que celles du Rathalos, lui permettant de réaliser d'incroyables acrobaties qu'elle utilise pour chasser ses proies ou ses adversaires. Toutefois, ses ailes ne sont pas aussi développées ou aussi fortes que les siennes, l'empêchant de voler sur de longues périodes. Cependant, elle peut effectuer un backflip aérien mortel en utilisant l'élan de sa queue pour se propulser vers l'avant, empoisonnant les menaces en plus de les éjecter. Ce mode de vie terrestre lui octroie donc la possibilité de rencontrer plus de proies, mais également plus de concurrence et d'ennemis. A cause du danger constant, la Ratian a dû développer des moyens défensifs importants. Sur son dos, ses ailes et sa queue se trouvent plusieurs poils en forme d'aiguilles contenant du poison. Les pointes sur ses ailes et son dos la protègent des attaques aériennes, tandis que celles sur sa queue sont utilisées pour attaquer les ennemis. L'utilisation de ces aiguilles particulières est donc à la fois offensive et défensive. A cet arsenal s'ajoute un organe lui permettant de cracher de grandes quantités de boules de feu. A l'intérieur, une substance semblable à de la lave est produite. Au contact de l'air, cette dernière s'enflamme et explose, brûlant ses proies facilement. Pendant la saison des amours, la Ratian se rendra dans les endroits habités par les Rathalos, elle trouvera un partenaire avec qui s'accoupler et fera parfois équipe avec lui par la suite. Toutefois, il n'est pas rare de rencontrer des Ratian solitaires avec un nid contenant des œufs. Avant que les habitudes de reproduction des rats du Nouveau Monde ne soient découvertes, les scientifiques avaient conclu que les rats étaient monogames et s'accouplaient pour la vie. Pendant que le Rathalos patrouillait le ciel, la Ratian protégeait ses petits sur Terre. Toutefois, il s'avère que les Rathalos du Nouveau Monde pratiquent la polygamie du fait de la différence d'environnement entre l'Ancien et le Nouveau Monde. Les Ratian pouvant se reproduire facilement en toute tranquillité, une explosion démographique a créé un déséquilibre, provoquant une concurrence entre les Ratian pour s'accoupler avec un Rathalos. Cela veut dire que seule la Ratian la plus forte pourra vivre et coopérer avec le Rathalos dans la forêt ancienne, les plus faibles seront contraintes de protéger leurs petits par elles-mêmes et s'exiler. C'est pour cette raison que l'on peut trouver des Ratian dans des environnements différents du Rathalos comme le désert des termites. Celles-ci, pour protéger leurs petits, seront bien plus agressives car elles ne bénéficieront pas de la protection du Rathalos, sans compter sur le fait qu'elles doivent parfois rivaliser entre elles pour des ressources telles que la nourriture. Elle ira même parfois jusqu'à ne pas se nourrir pour laisser ses petits profiter. Sa pointe creuse sur le menton lui permet de piquer de la viande pour nourrir ses petits. Une Ratian niche généralement en hauteur ou dans une grotte pour éviter la plupart des menaces. Si elle sent une sorte de perturbation dans son nid, elle reviendra immédiatement de sa chasse pour affronter l'intrus. Elle a été vue confrontant de grands monstres comme le Nargal, le Tigrex, le Diablos et même le Rajang dans certains cas, pour protéger ses petits du danger. Bien que certains de ces monstres la surpassent, elle n'a pas peur de les affronter si nécessaire, car comme la plupart des mères, la Ratian fera ce qu'elle peut pour protéger sa progéniture, même si les chances sont contre elle. Pourtant, bien qu'elle soit habituellement territoriale, elle ne surveille pas toujours son lit. Elle laisse parfois de plus petits monstres entrer sur son territoire pour se nourrir de créatures plus petites, qui peuvent constituer une menace pour son lit, comme les Jaggi ou les Charognards. Dans certains environnements, elle possède d'autres moyens pour effrayer ces derniers, comme les flaques d'huile entourant son nid, où elle peut les enflammer pour les faire fuir. Au-delà de son comportement, la Ratian possède des caractéristiques physiques importantes. Les écailles de certaines d'entre elles sont extrêmement dures, leur taille reflétant l'âge de l'individu. Les différentes pièces de la Ratian sont également utilisées en forge pour fabriquer des maisons et des équipements inifuges spéciaux comme des capes. Il est à noter que ces wing talons sont considérés comme le premier test d'un forgeron car ils sont modérément difficiles à travailler. Ces écailles ont une teinte émeraude foncée qui dégage une grâce féminine et la sangle de son aile est un matériau résistant à la chaleur qui est souvent utilisé comme doublure de blindage. Sa viande est également très appréciée dans le monde en raison de leur goût. C'est en partie pour cela qu'elle est autant prisée car même ses œufs sont difficiles à obtenir. Au cours de sa vie, Ratian traversera de nombreuses épreuves permettant d'évoluer et de se développer grâce à la bioénergie mais également au draconium. Par exemple, la forte quantité de bioénergie du Nouveau Monde a rendu les écailles de la Ratian rose, devenant la sous-espèce que nous connaissons actuellement. Comme pour le cas du Djuratodus et du Volganos, il est difficile de savoir si la Ratian rose est une nouvelle sous-espèce originaire du Nouveau Monde ou si son espèce est venue de l'Ancien Monde dans le passé et s'est progressivement adaptée à l'environnement du Nouveau Monde. Elle est connue pour son agressivité à chasser sans relâche ses ennemis et les mordre successivement. Par rapport à une Ratian classique, ses capacités de vol sont bien plus impressionnantes en raison de son habileté avec
avec sa queue et ses ailes. Les témoins ont pu affirmer voir une ratienne rose effrayant une baselgueuse avec juste leur agressivité pure et leur queue empoisonnée. Mis à part cette agressivité excessive, son écologie et celle de la ratienne sont très similaires. Il est donc possible que la ratienne rose, trouvée dans le plateau corail et le désert des termites, étaient des individus qui n'étaient pas en mesure de s'accoupler avec un rat à l'os azur. En raison de leur rareté, peu de gens ont déjà vu des matériaux de ratienne rose, renforçant leur légende et leur caractère poétique autour d'elle. Toutefois, il existe une autre catégorie de ratienne encore plus rare et prisée. En se nourrissant de minerais rares chargés en draconium, les écailles d'une ratienne perdent peu à peu leur teinte verte pour devenir dorées, donnant naissance à une ratienne d'or. Ce régime alimentaire a provoqué une dégénérescence génétique qui s'est transmise aux descendants de la ratienne d'or. Chaque enfant sera doté d'écailles dorées, cependant la quantité d'énergie étant trop importante, elle ne pourra enfanter que très peu d'enfants, renforçant sa rareté et son agressivité maternelle naturelle. Afin de s'éloigner du danger, elle décidera de vivre dans des endroits reclus et isolés comme la tour, où elle préférera descendre dans d'autres régions pour chasser avant de revenir. En plus de la sécurité, ce genre d'environnement est fortement chargé en draconium, permettant à la ratienne d'or de développer une forme de résistance à l'élément dragon. Il est possible que ces lieux en soient chargés à cause de la présence de plusieurs dragons anciens, voire même de l'ancienne civilisation à l'époque. Malheureusement, tout n'est pas aussi paisible que prévu, et la ratienne d'or peut parfois se retrouver en concurrence avec de puissants dragons comme le Kushala d'Aora. Toutefois, elle a réussi à développer diverses capacités pour se défendre, voire dominer son adversaire. Il faut savoir qu'elle possède les flammes les plus fortes connues à ce jour parmi les ratiennes, comparées parfois avec la supernova du Théostra. Elle possède également une plus grande mobilité grâce à sa queue et ses ailes, qui se sont renforcées en acquérant les capacités de l'or, un peu à l'instar de la Koulve Taros, et ses aiguilles se sont tellement renforcées qu'elles sont capables de percer l'armure d'un Daora réputé comme impénétrable. C'est pour cela qu'elle est comparée à la plupart des dragons anciens connus, car en plus d'avoir été vue en train de les combattre, elle possède des caractéristiques similaires. Et pourtant, il existe une ultime catégorie extrêmement rare de la ratienne. Tellement rare qu'elle est considérée comme unique, voire légendaire. Tellement inconnue qu'elle ne possède pas de nom. Comme si ce dernier avait été effacé de l'histoire. Celle dont les témoins sporadiques ont appelé la wyverne ancienne noire. Cette ratienne particulière a été tellement corrompue par le draconium et la bioénergie qu'elle en a été modifiée génétiquement au point de limite créer une nouvelle espèce. Son agressivité et sa puissance sont sans égale. Tout comme le Barufaluku écarlate, draconium en elle a affecté son esprit au point de la rendre hypersensible à son environnement, causant un état de colère excessive proche de la folie. Bien qu'au début ce monstre se bat comme une ratienne, elle changera radicalement son comportement à mesure que sa colère augmente. Contrairement aux autres monstres, sa rage s'accumule constamment lorsqu'elle subit des dégâts, augmentant sa puissance et son agressivité. Cette rage ne diminuera jamais, même lors de la mort de son adversaire. Elle accablera toute forme de vie en face d'elle de boules de feu et de coups de queue empoisonnés, tout en revêtant du draconium pour renforcer ses attaques, en plus d'émaner un gaz qui corrode l'acier environnant. Certains textes anciens parlent d'un état où une ratienne noire a assombri le ciel en plein jour, et que seuls deux grands yeux rouges étaient visibles avant de ravager les terres de flammes. Quelques personnes ont assimilé cet exploit à un fatalis, avant qu'au final la guilde Mésoporta confirme qu'il s'agissait bien de cette ratienne légendaire. À cause de sa dangerosité et de sa folie, la guilde a formellement interdit sa chasse sans une réelle préparation, car les conséquences d'une défaite pourraient affecter l'environnement de façon irréversible. La ratienne est une dragonne particulière, guidée par son instinct de mère protectrice, qui lorsqu'elle est poussée dans ses derniers retranchements, peut s'avérer être l'un des monstres les plus redoutables et craints du monde de Monster Hunter. J'espère que cet épisode du lore de Monster Hunter vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant la prochaine, je vous dis bonne chasse.